Bonjour à toutes et à tous, c'est G4DXR. Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera les trois serveurs que j'ai créés et qui sont encore actifs. Vous vous rappelez de ce serveur là? C'est le mien, mon principal. J'ai ajouté quelques petites modifications, donc déjà la catégorie bot et la catégorie devoir qui est très intéressante. Eh bien, c'était une blague. Le vrai serveur est ici. Parce que, si vous l'avez vu, il y avait marqué G5DXR, alors que moi, je vais sur G4DXR. Juste à attendre que ça s'allume. Voilà. Déjà, dans mon ancienne vidéo, j'avais pas parlé de ce salon. Qui fait, vous voyez, hop. Hashtag, le hashtag il est là, hashtag report, voilà. Vous pouvez chercher un salon, voilà. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour aller sur le salon. C'est assez facile et rapide. Statistiques, donc member count, on peut voir le nombre de membres sur le serveur. 111, c'est déjà pas mal, mais si on enlève 30... Donc les bots, ça fait 81 joueurs, vous voyez. Règles salon, avant c'était tout minuscule les règles. Maintenant, j'ai choisi de renommer en règles salon, en y mettant tous les salons du serveur. Voilà, par contre ça, je supprime, j'avais oublié de supprimer ça, ça vient de l'ancien règlement. Et donc, voyons voir. Attention. Sexeron et GGZar n'ont pas lu le règlement. Merci à vous. Vous passez dans la vidéo. Après, on va pas voir les 15 qui ont mis ça. Inforol, encore un nouveau salon. Vous pouvez y voir tous les salons qu'on peut obtenir. Bienvenue, au revoir. J'ai changé de bot de bienvenue, maintenant c'est le bot Atlanta qu'on verra plus tard. Récompense, c'est toujours le même. Annonce, avant ça s'appelait info, j'ai choisi de l'appeler annonce parce qu'il y avait déjà info dans le salon InfoRoll. Et là nous pouvons voir que ItsCP a décidé d'envoyer une annonce. Vous pouvez le faire vous-même en me contactant en message privé. Vous voyez, hop, vous cliquez sur ma tête. Et là, normalement, il doit y avoir marqué envoyer un message ou demander un ami, c'est pas grave. Envoyer un message plutôt. Rappel, c'est un nouveau salon qui vient de Atlanta. Donc, toujours le même bot. J'adore ce bot. Donc, c'est la commande Remind Me. Qui vient de l'anglais rappelle-moi. Là, vous mettez la durée, on va faire comme un test une minute. Et là, vous mettez la raison. Donc, ça va vous envoyer un message privé. Vous devez vous rappeler de ça. Mais ça peut aller jusqu'à loin. Je sais pas quand. Une minute, test. Voilà. Rappel enregistré pour le 9 mars 2019, 19h38 et il est 19h37, pour ceux qui ont bien compris. Le salon partenariat, je crois qu'il y était déjà avant, donc là on peut voir tous les partenariats, et il y en a beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Demande de partenariat, vous ne voyez pas l'historique, mais moi si. Donc, voilà, après, vous pouvez demander, mais vous ne verrez pas vos messages que vous avez envoyés, ni les miens. Il n'y a que moi qui les vois pour que les autres ne puissent pas aller sur le serveur, voilà. Bref. Badge, j'ai tout remis les badges. C'est un peu plus clean, on va dire. Minecraft, Fortnite, Club Lecture, qu'on verra après, c'est un nouveau... truc. Accès Peggy18, je montrerai pas ce salon. Abonné, youtubeur, donc je vais pas regarder. Là, vous voyez, j'ai une mention, je vais pas regarder. Rappel condition, voilà, vous stopperez pour voir. Vote.
Ah oui, tiens, je viens d'y repenser. J'avais fait un vote pour vous noter combien d'étoiles. Pourri. On va voir que ça. Bon, non, génial. Merci Merlod, Maxime et Bibi Cool. Merlod, j'avais vu que t'avais mis pourri avant. Donc, voilà. ItsPNDVL, Charlely, je me rappelle plus, Speed59, désolé d'avoir pris du temps pour dire ton pseudo, Jleus, je sais pas comment ça se prononce, c'est bien. Tonix, il avait mis en G, donc pourri. Je me souviens de toi, hein. Sack the Run Gaming, merci. C'est bof. Oui, mais c'est ton choix. C'est... Tu peux choisir. Enfin, tu mets ce que tu penses du serveur. Enfin, voilà. Et Maxime qui a déjà mis dans le A. Oui. Bizarre. Et Megamodo Erwan23, merci de ton soutien. Français, donc là, ça a complètement changé. Et là. Vous savez quoi? Hey, vous passez en vidéo! Oh, je bug, par contre. Hey, vous passez en vidéo! Dites coucou YouTube! XD qui veut dire. Bah, vous voyez, c'est un emoji, mais. De côté. Ah oui, sur laquelle la vidéo que je suis en train de tourner. Bon, je vais pas parler encore plus, mais je vérifierai le message. Donc, français, vous avez compris, on parle en français, là on parle en anglais, là en allemand, est-ce qu'il y a des messages, je sais plus. Oui, il y a des messages Hitler, ok. Espagnol, comment vas-tu, voilà. Italiano, comptez les pizzas, ok. Latina, cahier de correspondance, ok, ben, pourquoi pas. Grec, mich, je suis désolée, mais je pense pas que, que ça c'est du grec. Eh bien, bonjour YouTube. MDR, qui veut dire mort de rire pour ceux qui ne savent pas. Parce que je sais que parmi vous, il y a des enfants, dans 50 ans par exemple, qui regarderont cette vidéo. Waouh, ça veut dire quoi, MDR? Bon bref. Chat YouTuber qui est obtenable, donc je sais pas si ça se dit ce mot obtenable, dans Badge. Badge, vous cliquez sur le Badge, c'est où Badge? Pardon. YouTube, ça doit être ça, ouais, YouTuber. Donc... Ça vous donne le rôle youtubeur qu'on peut voir comme Charlely et Zuc. Voilà. Désolé si la vidéo sera un peu longue, mais je présente. Voilà. Vous êtes les bienvenus sur le serveur de G4DXR. Pub gratuite. Est-ce que j'ai une tête de paysan? Paysanne, pardon. Et oui. Non, paysan. Je vais rentrer dans les détails plus tard dans la configuration du serveur. Donc Minecraft, c'est pareil, obtenable dans Badge. Donc ça vous donne le rôle Minecraft. Fortnite, c'est pareil. Oh, personne n'a parlé. Qui joue à Fortnite? Il est très joué ce jeu. Ça se trouve que dans 50 ans, il n'existera pas. J'ai oublié le point d'interrogation. Je suis très maniaque. Désolée. Club lecture, c'est pareil, ça vient d'être mis, voilà. Suggestion, bug, question et demande de rôle. Donc voilà, vous pouvez poser, demander des suggestions, signaler des bugs, poser des questions et demander des rôles sur ce serveur. Et je vais changer le bot bientôt, ce sera pas Tickety mais Ticket Tool. Donc ça sera bien plus propre. Parce que vous voyez, il faut faire des commandes, alors qu'avec le suivant, Ticket Tool, ce sera beaucoup plus simple. Il y a juste à cliquer sur une réaction et ça crée le rôle juste en dessous, dans à propos toujours. Giveaways.
Giveaways, vous savez ce que c'est, les giveaways, on donne des trucs. Par exemple, dernier 26 février, ça date d'il y a longtemps, et du coup, c'est Onyx qui a gagné un jeu Steam gratuit. Et Merlode aussi. Mais pourquoi c'est pas marqué là? Enfin, bref. Ils ont gagné tous les deux un jeu Steam, gagné en giveaway, c'est, vous pouvez vous vanter en montrant, par exemple, là, que ça a bien été activé, voilà, validé. Preuve giveaway, c'est Mr. Koro, donc là, il se renommait en Lucas parce que c'est son prénom. En fait, par exemple, il y avait un giveaway et fallait s'abonner à sa chaîne. Bon, j'accepte, mais bon. Et faut montrer des screens comme quoi on est bien abonné. Élection. Alors là, c'est un peu particulier, vous voyez. Faut faire un gros buzz candidat, enfin je le ferai pas. Mais il y a que les candidats qui peuvent avoir accès à ce salon. Et le gagnant des candidats sera rôle élu. Comme il n'est pas connecté, c'est ITCP. Mais Megamodo R123, vous voyez qu'il est élu lui aussi. Il y a deux élus pour l'instant sur le serveur et on peut modifier le règlement en étant élu. Voilà, et comment être candidat, c'est je poste une annonce, mettez la réaction, voilà, et vous serez candidat. Vidéo G4, je vais pas vous en parler. vidéo. Alors, il faut avoir le grade de youtubeur pour pouvoir poster vos vidéos. Pub, tout le monde peut envoyer des pubs, voilà, des publicités. Bande annonce, attendez que ça charge. Ah oui, par contre, s'il vous plaît, quand vous faites des pubs, ça serait bien d'avoir un lien infini. Regardez, inviter des gens, ça peut être sur n'importe quel serveur, inviter des gens, attendez que ça charge. Et là, vous voyez, il y a invité des amis. Non, modifier le lien. Et là, jamais. Générer le nouveau lien, un nouveau lien. Et là, copier. Et après, vous mettez une description parce que c'est ce que je demande. Sinon, elle sera vite supprimée, votre pub. Bande annonce, c'est Missix. Je l'ai programmée pour qu'elle mette la chaîne de film actu, donc il met bien 2-3 bandes annonces par jour, hein. Mais c'est du complet, ouais. Sa chaîne, lien, si c'est d'autres liens que des pubs, vous pouvez les mettre ici. Donc là, j'avais mis un truc rigolo, vous voyez. Vous pouvez aller voir, si vous voulez. Vos vacances, vous pouvez raconter vos vacances, voilà. The Sims 4. Faux, pardon. J'ai pas avancé, ça doit dater de juin le giveaway. Il y avait 3 gagnants, Dr Jumper qui a quitté. Il y avait, si je me souviens bien, Mich Mich. Et un modo très inactif, désolé de te dire ça, Captain BVR. Voilà, photo des boss. Alors, pourquoi des boss? Parce que je veux m'amuser. Du coup, j'ai créé 5 comptes pour que ça soit un peu, vous voyez, le 1, voilà. Après, il y a le 2. J'ai 2 DXR, j'ai 3 DXR, j'ai 4 DXR que vous connaissez bien. Et j'ai 5 DXR. Et si vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai mis des noms. Donc, Montauk, c'est une créature bizarre. Elfish, c'est un poisson avec des dents super longues et acérées. Un Moloch, c'est un espèce de scorpion avec une carapace. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Un tardigrade, c'est une exception, oui. Parce que vous ne pourrez jamais voir cet animal parce qu'il est microscopique. Pardon. Ouh, j'ai du mal à articuler. Proté albinos, ouais. Après, vous verrez les adjectifs, ils correspondent à leur animaux, pardon. Proté-albinos, donc un proté, c'est comme un... J'ai plus le mot en tête.
comme un axolote, voilà. Annonce event, je viens de faire un event il y a 45 minutes, disons. Donc j'ai fait l'event avec plusieurs membres, Zach Zoron, il y avait DJ Loup de l'amour, Kilomodo Merlod, il y a aussi développeur Skyline. Après je crois que c'était tout, j'espère ne pas me tromper. Comptez à deux. Ah ce salon. Faut pas spammer comme ça 2088 après 2089, voilà. Faut faire chacun son tour. Trouvez le nombre. Vous faites la commande en message épinglé number et vous essayez de trouver le nombre qu'Atlanta a choisi pour vous. 20 secondes chrono, c'est pareil, mais en version trouver le mot et pas le nombre. Donc c'est étoile find words et voilà. Blagues, vous pouvez poster vos blagues. NSFW, je vais pas rentrer dans les détails. guerre des émoticônes. Ben, vous pouvez spammer des émoticônes, c'est ça le but. Guerre des gifs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un message dessus. Ouais, je vois bien. 16 février et nous sommes le 9 mars. Ça date il y a longtemps. Encore aujourd'hui, il est actif, ce salon pendu. Après les candidatures, vous verrez bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas de rôle particulier comme, je sais pas, voilà, les paysans, le rôle de base, quoi. Eh bien, regardez ce que je fais dans le salon admin. Je prépare pour un salon ailleurs. un serveur, pardon, ailleurs. Vous verrez plus tard comment l'obtenir. Modérateur, développeur helper. Après, je dis quoi faire, par exemple, dans la catégorie, nouvelle catégorie, une belle evil boat. Je voudrais que vous lisiez attentivement les messages épinglés et modérez si quelqu'un fait une commande au mauvais endroit, s'il vous plaît. Cordialement, G4DXR. Sauf que, en fait, j'ai modifié les permissions de Unbelieve About, donc c'est tout réglé. Après, règle des modos, vos permissions de monde de rôle esclave, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vous n'êtes pas censé savoir, mais en tout cas, chaque grade modo gagne une permission. Mythics, stat royal, Fortnite stat, reports, birthday bot, et là, anniversaire, attention. Anniversaire, vous voyez là où vous avez mis votre anniversaire dans birthday bot. Le bot vous envoie joyeux anniversaire, souhaitez-le lui. Et là, c'est qui Charlie et Erwan23. Eh bien, vous avez bien raison, mettez des émoticônes. Google Translator qui a changé d'ailleurs. Ouais, Smoogle Translate maintenant, je vais modifier plus tard. Rio qui est un bot multifonction comme Mythix, mais qui est vraiment bien mieux. Donc le préfixe c'est R. Et vous voyez, pardon, j'ai enlevé le point, help. Et là dans le help, si ça veut bien s'afficher. Je bug. Ah, ça arrive. Ça arrive pas. C'est vrai, je lui ai supprimé la le rôle bot pour l'event. Par contre, il est où? Il est où? Au secours! Rio, il n'y a pas Rio? Là, il y a un petit problème. Me dis pas qu'il a été kick, que je l'ai kick sans faire exprès. Bon, je verrai ça tout seul. Atlanta, c'est le bot dont je vous ai parlé. Étoile, help. Et regardez-moi
toutes les commandes. C'est Rio, mais en version améliorée. Par contre, ça ne veut pas envoyer de message. Ah si. Là, il y en a quand même beaucoup, donc je vous laisserai voir. Et nous sommes en premium sur ce bot. C'est mon bot préféré. Mais en tout cas, je vous avoue, il est bien, ce bot. Jobs, banque, shop, vous devez connaître si vous connaissez Unbelievabout. C'est un bot un peu RP où vous pouvez travailler pour gagner, vous savez quoi ? Shop, voilà tous les prix à acheter. Accès au salon vote, donc vous pourrez écrire là-bas. Donne accès au créer salon, vous verrez plus tard. Donc là, vous voyez tous les rôles de Mix et Missix à acheter. Shop de la... Il y a la suite. La vidéo, sera très longue, pardon. J'arrive plus à articuler, au secours. Achat pseudo. Vous voyez là, Speed 59 n'avait pas compris. Mais donc vous devez payer 10 000 à moi ou mon bras droit. J'arrive pas à articuler, c'est chiant. Bras droit, Mr. Koro. Et on vous renommera. Les devoirs, je rentre pas dans les détails. Vous voulez être aidé en devoir, c'est ici. Et pour les cas extrêmes, donc c'est pas souvent, on vous fait les devoirs, mais c'est pas forcément juste. Hein. On fait ce qu'on peut. Et il y aura le bot. Pardon. Je suis toujours sur les bots. Le rôle professeur. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul professeur, c'est Merlode, professeur de français. Il est très bon en français, ne vous inquiétez pas. Sans micro, vous savez, quand vous ne pouvez pas activer vos micros, vous allez ici. Musique, pareil. Vous mettez votre musique avec... il y a énormément de bots de musique. Et là, vous voyez, live, j'y suis pas ici parce que... Bah voilà. Alors la prison, n'essayez pas d'être rôle esclave, donc avoir avertissements, et voilà. Vous êtes rôle esclave, et le général, le salon général des esclaves, c'est le zoo, on peut se moquer avec tout le staff des esclaves. Oula, je crois que j'ai fait... Ah non, ouf, il n'y avait rien. Jugement, ok. Aucun ban ni expulse, ni kick. J'ai appris un nouveau mot. Voilà. Giveaways par Koro. Alors, il y a eu un seul giveaway où on pouvait gagner le rôle chance plus, je crois. Et ceux qui ont le rôle chance plus ont des giveaways pas souvent, mais il y en a quand même plus si on est chanceux plus. Créer salon privé, vous verrez, il y a déjà assez de messages épinglés. Vous verrez, voilà. Donc là, on a fait le tour. Fortnite. Moi. J'ai vu, Tonix, que tu jouais beaucoup à Fortnite. C'est marqué en dessous de ton pseudo. Alors pour ceux qui se demandent, on va aller voir les rôles. Tout simplement. Rôle. Alors. Vous voyez, on a quand même beaucoup de bots. Hein, 30. Hype Squad. Faudra que je check. Vote giveaways. Créer salon. Giveaways, c'est pour les membres du staff qui veulent créer des giveaways. Minecraft, voilà, ça c'est les 4 badges avec d'autres au-dessus, youtubeurs et abonnés. Ça c'est tous les rôles de Mix et Missix. Voilà, chance plus, tant que j'y parle. VIP n'est pas un rôle de Missix,
Mais sauf que on peut l'acheter avec Unbelievable Boat à 999 euros. Non, 999 000 euros. Donc c'est assez cher, hein. Surtout que ça, chaque rôle au-dessus, par exemple, pour avoir le rôle comte, je dois avoir le rôle baron. Si j'ai pas, si je veux avoir le rôle baron, je dois avoir le rôle chevalier, vous voyez. Et le VIP, il est au-dessus de maître intergalactique. Amis, donc vous avez bien compris, c'est mes amis. Véritable ami, voilà. Proche, c'est ceux de ma famille, vous voyez. Pour l'instant, il n'y a que mon cousin, qui est M4K2, qui est aussi membre du staff. Donateur, j'avais mis dans le règlement, non, dans les infos des rôles, faut donner de l'argent à moi, mais pas obligé, vous pouvez me donner je sais pas combien sur un serveur, comme Saxeron qui m'a donné 1600 coins sur un autre serveur avec Unbelievable. Multi-rôle, c'est. Comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Quand on a plus de 9 rôles, on peut demander le multi-rôle, voilà. Saphir, émeraude, rubis, diamant, on va y aller plus tard pour les rôles de. Voilà. Je m'en rappelle plus du tout pour les anciens staff. Donc ces 4 sont des anciens staff. Donc parmi le staff, il y a les partenaires, les DJ, les graphistes, les animateurs, les professeurs, les helpers, bots, que je suis en train de créer un énorme formulaire. Élu, voilà, Panda. Alors, ceux qui se demandent, non, ce n'est pas un membre, enfin un rôle de staff, c'est un rôle personnalisé que XCP a gagné. D'ailleurs, je viens de me souvenir qu'il faut que je donne d'autres rôles personnalisés. Développeur bot, modérateur. Et là, dans les modérateurs, chaque modérateur gagne une permission. Et entre Ultra Modo et Master Modo, je crois qu'il y a 3 permissions en plus. Donc ça va de test de Modo à admin. Second, c'est l'administrateur en test, et bras droit, c'est vraiment administrateur. Donc candidat, j'en ai parlé. Mini-boss, c'est tous les mes 3 autres comptes. J'ai 2 DXR, j'ai 3 DXR et j'ai 5 DXR. Et Big Boss, c'est moi et j'ai 1 DXR. Parce que c'est le chef de la bande imaginaire. Voilà, c'est la fin de la présentation de ce serveur. On va passer sur Poké Collection. Poké Collection, je crois en avoir parlé, mais pas beaucoup. Donc là, on voit les bienvenus, vous voyez, ceux qui partent, ceux qui viennent. Et Merlod, qui est modérateur d'ailleurs. À partir de Kilomodo, on peut être modérateur. Donc là, j'ai pris une vidéo de Skyners, que d'ailleurs je suis connecté à son serveur. C'est un YouTuber qui fait des vidéos sur comment utiliser les bots et voilà. Et là, il avait fait une vidéo sur le bot Toasty qui fait les trucs de Pokémon. Règles, vous voyez, vous pouvez stopper pour voir. Chasse aux Pokémon. Donc vous faites point virgule Pokémon sans l'accent sur le E. Et là, soit ça vous affiche faut dans quelques minutes, soit ça vous affiche un truc avec une image, soit ça vous affiche rien, ça dépend. On voit, c'est un Pokémon, waouh, super dur à cuire. Inventaire, inventory, alors, vous voyez, lui il a 10 Pokémon. Regardez le nombre de Pokémon que j'ai, sérieusement. Ça, si c'est pas. Oh. Voilà. 368 Pokémon. Enfin, j'y suis depuis août ou juillet, je sais plus quand j'ai créé le serveur. Échange, c'est assez difficile à faire les échanges, on n'y comprend rien. Et même qu'il y a des gens qui font Pokémon dans ce salon,
c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais bon, heureusement que Merlod est là pour modérer. Déjà qu'il modérait sans son rôle modérateur, là il était bien content. J'ai encore du temps avant de te rattraper. Pourquoi tu es niveau combien? Niveau 15? Ah ouais, t'as encore monté de niveau. La dernière fois t'étais niveau 14. C'est chaud, hein. Oh. J'ai pas envie qu'il me rattrape, surtout qu'il est arrivé en septembre ou octobre, enfin je sais pas, mais bien plus tard que moi. Et là, ça fait un choc. Atlanta, c'est... Ah oui! Le remind me de tout à l'heure, que j'avais mis une minute pour le test. Voilà, le test. Dernier serveur, donc, qui sera aussi rapide. Charlie, il me saoule celui-là. Il me saoule. Tu me saoules. Charlie, tu me saoules. Oh. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques personnes qui ont quitté parce que ben ça les intéresse pas. Ils regardent comment ça fonctionne le serveur, voilà. Alors, je pense que je vais mettre 30 000 euros sur le Unbelievable. Et on aura accès à ce serveur. Alors, le règlement. Aucune pub, ni rien. Je vais le modifier un peu. 20 000 dollars, donc ok, ben, je vais mettre à 20 000. général. Voilà, ils peuvent parler. Commande de bot. Voilà, vous pouvez faire plein de commandes. C'est vraiment de tous les bots que vous connaissez, à part des bots de raid. Vraiment, surtout pas ça. Invitation bot, hop. Vous voyez ce salon? Eh ben, il n'existe pas. Oh là là. Est-ce que ça l'a supprimé? Oui, c'est bon. Serveur. Donc ça, c'est tous les serveurs où où il y a tous les staffs. J'en parlerai juste après. Anciens membres. Donc, c'est les membres qui étaient là et qui ont quitté. Donc là, c'était Fifou TV et là, Erwan23. Ils ont le droit de quitter, hein. Ça ne me dérange pas. Voilà, après, vous pouvez créer des catégories, des salons. Enfin, bref, parce que si vous voyez après, c'est un peu du n'importe quoi parce que tout le monde est administrateur sur ce serveur. Mais c'est pour des tests, donc voilà, il y a des commandes spécialement aux administrateurs. Donc j'ai voulu donner cette chance de pouvoir tester sur un autre serveur comme celui-ci. Nouveau, c'est quand j'ai vous arrivez et après je vous donne soit le rôle VIP, soit le rôle ami, soit le rôle staff. Il y a beaucoup de staff parce que ce serveur est réservé au staff de plusieurs serveurs et aux VIP et à mes amis, mais il y en a pas beaucoup, même pas. bot, c'est tous les bots. VIP, donc je vous en ai parlé, amis aussi. Staff Galaxia, c'est le staff de Galaxia. Blue Labs, Bosscraft, donc C3, c'est des serveurs Minecraft. Discord Market, c'est comme son nom l'indique, vous pouvez acheter des trucs. Et ce que vous pouvez acheter sur ce serveur, c'est des bots. Et ils vous créent les bots et vous payez. Voilà. Staff G4DXR, c'est mon staff. Multistaff, c'est quand vous êtes staff de plusieurs de ces 1, 2, 3, 4, 5, 5 serveurs, pardon. Propriétaire de Galaxia, il y a 3 propriétaires. Blue Labs, c'est Josh du 92 qui est multistaff parce qu'il est Blue Labs et G4DXR. Bosscraft, c'est GogoGF qui n'est pas là, du coup j'ai mis un de ses cofondateurs, comment il s'appelle, Tessior, T3SCIOR, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas on peut l'appeler AliaCraft. Propriétaire de G4DXR, c'est moi, yeah, c'est Bibi. Modérateur,
Et le voici, Merlod. Toujours lui. D'ailleurs, il avait gagné le badge G4DXR et il l'a mis sur sa photo de profil. Ça me fait un peu rigoler. C'était pas prévu pour ça, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il peut l'utiliser comme ça. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, Poké Collection. Alors j'ai arrêté de travailler sur les rôles. Vous allez être surpris. Il y a vraiment beaucoup de rôles. Ça bug énormément tellement il y a de rôles. Voilà. Il y a tous les levels. Je comptais aller jusqu'au niveau 100, sauf que j'ai arrêté. J'ai Rashkito au niveau 59 et j'ai même pas mis en couleur ni sur le bot, sur le truc Mi6. Voilà. Fondateur du serveur, propriétaire du serveur. Je suis fondateur et le propriétaire, je l'ai mis sur mon autre compte. Donc moi, normalement, je suis fondateur du serveur. Ouais, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Enfin, aidé. Vous aura fait découvrir plusieurs serveurs. Donc celui-ci, celui-ci et celui tout en haut. Et qu'est-ce qu'il y a? Attention, jobs. Unbelievable about, vous voyez, work. C'est ici. Il a gagné 125. J'aimerais juste, avant de fermer la vidéo, regarder le leaderboard. Donc, top. Voilà. Mister Koro et moi, on est à l'argent infini. Tonix qui a 15 000. C'est déjà bien. Zephyr qui est à 10 000, Merlod presque 10 000. Et par contre, Merlod, je te soutiens. Tu arrêtes pas de perdre de l'argent. C'est frustrant. Après, si vous regardez le top 2, ça fait un peu bizarre. Parce que tout le monde a le même argent. Si je me souviens bien. C'est à partir de 1350, vous voyez. Alors ça, c'est normal. Top 3, c'est tous ceux qui ont le rôle de base, vous voyez, et qui n'ont pas fait de commande. Après, plus vous avez de rôle de 1006, par exemple là, j'ai chevalier, baron, comte, duc, dauphin. Je vous les laisse les grades et du coup vous aurez encore plus d'argent et à la fin on peut gagner jusqu'à 20 000 par jour ou je sais plus quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir mon serveur Discord. La version numéro 2 de G4DXR va bientôt sortir, j'ai juste quelques choses à modifier comme dans le salon staff il y a les règles des modos, je vais changer toutes les permissions, je vais revoir si jamais il y a des problèmes. Et en même temps je suis en train de développer le serveur tout en haut là, test bot et serveur, et ça sera bientôt la V2. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 3 fois que je dis la même phrase, mais bon. Salut tout le monde, c'était G4DXR.